Milord Thomas, le vainqueur du prix Laëjousselin 2014 à l'âge de 5 ans, a été élevé en Normandie, à Coupsart, plus précisément, par la famille Michel, les voisins de Richard Poel. Travaillant en étroite collaboration depuis plusieurs décennies, les Michel confient les poulinages au haras du Lieu des Champs. C'est ainsi que des liens indélébiles se sont créés et couronnés ce dimanche 2 novembre dans la plus belle course des Steeplechasers d'automne. En compagnie de toute la famille Michel, félicitations pour cette belle victoire. Racontez-nous vos émotions juste depuis la dernière heure. Je dirais que l'émotion est surtout que... Bon. On prend une bouffée d'air frais. Non mais mon père qui est à l'origine de l'élevage est décédé il y a 2 mois. Donc on pense à lui, surtout. Voilà, qui est à l'origine en fait de l'élevage. Il a monté l'élevage. Il est décédé le 16 août. De là où il est, on pense à lui. Et donc l'élevage qui se transmet de génération en génération, du coup. Et avec Milord Thomas, exactement, le Thomas, le fameux Thomas, il est là. Forcément, c'est une grande fierté pour toute la famille, pour l'élevage, pour tout Coupsart, parce qu'on est très lié avec la famille Poel. Donc c'est vraiment une réussite générale et on en est tous très fiers, vraiment. Après avoir rondement mené l'épreuve, le malheureux Carmont s'est une nouvelle fois trompé sur le saut du rallye Chenfens, imité d'ailleurs par Calmonto et Pythagore. C'est ainsi que depuis le début du dernier tournant, les deux favoris Shannon Rock et Milord Thomas ont peaufiné leur pointe de vitesse. Milord Thomas de 5 ans qui va négocier en tête la dernière difficulté devant Shannon Rock qui est lancé maintenant par David Cotin. Shannon Rock, Milord Thomas qui se lève. Allez Milord! Allez! Allez Milord! Bravo, mille émotions. Vous êtes la latte, c'est ça, de Milord Thomas? Oui. Vous vous appelez? Ça fait Émilie. Bravo, Émilie, ça fait quoi? Ça fait très, très plaisir. Et surtout, bravo à l'entraîneur qui a su l'amener au top jusqu'au jour J. Son nom, Dominique Bressou. Ancien jockey de talent, il a notamment remporté le prix Ferdinand Dufort 2001 pour une casaque qu'il connaît bien, celle de Magalène Bryant, la propriétaire de Milord Thomas avec le gris Turgot. L'homme de dragée a sous sa responsabilité le nouveau champion depuis ses débuts. Ce cheval-là, dans votre cœur, il a quoi comme place? Ah ben, c'est une place immense parce que être entraîneur, arriver à avoir un cheval et courir une Laëjousselin et la gagner la première fois que vous la courez, en ayant peu de chevaux à l'entraînement, parce que j'ai tourné depuis mon installation avec une quinzaine de chevaux à l'effectif, c'est un vrai rêve. En discutant avec Dominique Bressou, il nous a dit c'est vous qu'il connaissait sur le bout des doigts, Milord Thomas. Non, on le connaît tous les deux, après, ouais. Bah, disons que j'ai appris à le connaître, ça fait 1 an et demi maintenant, et c'est un cheval, le feeling est tout de suite passé, je sais pas, peut-être qu'il comprend mon langage ou je comprends le sien, mais... Ouais, il y a un truc entre ce cheval et moi, ouais. Et justement, c'est quoi comme langage à votre avis? Ah mais ça, c'est mon petit truc à moi, je vais vous le dire. Ah, si. Non, c'est rien, c'est que, je sais pas, c'est un cheval qui est très anxieux, et je suis quelqu'un d'assez calme, un peu focal, mais il y a calme quand même, alors j'essaie de prendre un peu tout son stress, et moi je le gère à sa place, et lui je demande de galoper, de rester sérieux dans ses sauts. D'absorber son stress à lui. C'est un peu ça. Dites-moi, votre casaque n'est pas encore arrosée de champagne? Non, mais je suis pas entré vestiaire encore. Alors peut-être que je vais être arrosé, mais c'est de bon augure. Merci Jacques, félicitations. Âgé de 6 ans l'an prochain, Milord Thomas visera le Saint Graal, le grand steeplechase de Paris 2015. La date est réservée, le champagne sera au frais.